Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du beau vieux chemin. Oui, continuons. Bien, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, Donateur de tout excellent, le soir, c'est le temps le plus béni que je puisse exister pour les croyants. Parce que ton prophète dit, l'adoration du soir est plus que l'adoration du matin. Par le matin, Seigneur, tu as créé ton Fils. À midi, tu l'as formé. Au temps du soir, tu le restaures. Et nous sommes reconnaissants parce que nous sommes au temps de la restauration. Amener la vie là où il était tombé. Retrouver Jésus au temple. C'est cela, Seigneur Jésus, le message du temps du soir. Fais-nous pénétrer dans les sphères les plus élevées où notre corps et notre entendement seront engloutis. Afin que l'éternité puisse y prendre place. Parce que l'éternel doit avoir la prééminence dans nos cœurs. Voilà pourquoi les sons étaient brisés. Afin que le temps puisse s'arrêter. Et que l'éternité prenne place. Nous pensons qu'il y a jonction entre le temps et l'éternité. Entre le royaume de Saoul avec celui de David. Avec le règne de Jésus avec celui de Jean-Baptiste. Avec le règne d'Élie avec l'Apocalypse chapitre 10. Viens régner Seigneur dans le temps. Afin que le monde sache que le Dieu qui a créé le temps est descendu dans le temps. Afin que nous sachions une chose, avec l'ouverture des seaux, nous quittons le temps pour entrer dans l'éternité. Oh Jésus-Christ notre Père, nous voulons que ce soir tu sois dans ce lieu. Parle-nous Seigneur Jésus. Sanctifie-nous. Car il est écrit dans ta parole, au temps du soir, ceux qui auront la connaissance, leur péché sera expié. Ils prieront comme les étoiles du ciel. Les méchants feront le mal, mais ils n'auront pas la connaissance. Merci Jésus. Bénis ta parole. Bénis l'entendement. Au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous sommes sur notre sujet, l'enlevement. Et comme il a plusieurs chambres, nous voulons entrer dans toutes les chambres. Est-ce que vous dites Amen? 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 1. Corinthiens yami balé. Nous savons en effet que si cette tente que nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez là? Vous êtes prêts? Je veux que vous prêchiez avec moi. Amen. Amen. Je ne veux pas prêcher moi, mais je veux que vous prêchiez avec moi. Vous pouvez vous asseoir. Je peux continuer. Je peux commencer. Je peux commencer. Vous êtes prêts à croire ça? La résurrection. Prêché en 53. Ainsi sont arrivés. Vous vous rappelez dans la vision. Ou la petite translation. Ou la petite translation.
Ou la petite translation. Comme je l'appellerai. Et que j'ai eu récemment où j'ai été transporté. Où j'ai vu ces gens. Et je regardais derrière. Et je me voyais moi-même. Et tous ces millions là-bas. Nazaraki komi mona ngai moko pe bifuku wana. J'ai dit je veux voir Jésus. Na lobi ete na lingi na mona Yesu. Et il a dit il est plus haut. Pe alobi na ngai aza likolo koleka. Je crois que je vous ai parlé de cette vision le dimanche. Nandimisa nete na lobaki na bino lomingo leleki. On appelle ça la translation. Na oende kobana mazako benga yango mbongwana. Oh, c'est mystère. Ezali ebomba mi. Que lui devait révéler en ce temps de la fin. Oui, lingaki etando la mana tango na suka. C'est collé à l'enlèvement. Et kangami esongo na linetwa. Est-ce que je peux continuer? Nakoki kokoba. Il dit ceci. Allo, la religion de Jézabel. 113. Puis je pensais à ma vision. Lorsque j'étais allé là de l'autre côté. Tango na kende ki kuna na sima na mboka. Et j'avais vu tout mon peuple. Pena mona ki ekolo na ngai nyonso mobimba. J'avais vu tout mon peuple. Na mona ki ekolo na ngai nyonso. Mon peuple. Libota na ngai nyonso. Amen. Donc il m'avait vu, il t'avait vu. Nous sommes le peuple de William Branham. Le peuple de Moïse avait cru le message de Moïse. Et si nous avons cru le message de Branham, nous sommes le peuple de Branham. Parce que la Bible appelle les Juifs le peuple d'Israël. Israël était une personne. Israël a Ezalaki moto. On dirait que vous ne croyez pas. Est-ce que Israël était une personne? Israël Ezalaki moto. Et on appelle ça peuple de quoi? Israël. Et Branham dit. Quand je suis allé là-bas, je voulais voir Jésus. Nalingaki komona Yesu. J'ai dit je veux voir Jésus. Nalobi nalingi komona Yesu. Est-ce que vous dites amen? Amen. On a dit que Jésus est un peu plus haut. Balobi Yesu azali susu likolo. Amen. C'est lui qui viendra à toi. Yende akoya pene na yo. Ce n'est pas à toi de monter à la 7e dimension. Uzake na yo matana mungonzo ya sambo. C'est la 7e dimension qui descendra à toi. Uzake mungonzo ya sambo ekopita pene na yo. Je veux voir ceux de Paul. Pena lobi na lingi na mona oya Paulo. Il dit que Paul avec les siens. Balobi ete Paulo azana oya yeba. Alors Branham a dit. Branham me pe alo. Si ceux de Paul ont. Sophie ya Paulo bakoti. C'est que les miens. C'est vous qui avez cru le message de Branham. Tout ce que tu as aimé. Et tout ce qui t'ont aimé. Sont tes miens. Je n'ai pas donné la main. Amen. L'homme aime accepter le passé. Moto alingaka anzima o eleki. Il aime accepter le futur. Alinga pe konzima o ekoyaka. Mais jamais le présent. Kasite anzima ka o ezaku salema. C'est un esprit de grenouille. Eza molimo na iwanga. Amen. Parce que l'ouverture du 7e sceau, il y a eu 3 esprits impurs qui ressemblaient aux grenouilles. Oh, les grenouilles ne voient jamais devant. Ils voient toujours derrière. Jésus en Galilée. Jésus a versé le sang. Mais ils ne savent pas que le même Jésus a marché aujourd'hui. Les quatre êtres vivants. Avec 2 yeux arrière. Ils avaient
deux yeux au dedans. Voilà. Et ils avaient deux yeux devant. Donc ils pouvaient voir derrière. Ils pouvaient voir Jésus aujourd'hui. Ils pouvaient voir Jésus devant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Ce n'est pas des êtres vivants avec des yeux derrière. Ils ont des yeux devant. Ils ont les yeux au dedans. Est-ce que je peux continuer? Et j'ai pensé à ma vision. Lorsque j'étais allé de l'autre côté, et que j'avais vu tout mon peuple, j'avais entendu quelque chose hennir doucement. Et là venait mon petit prince, mon petit cheval de sel. Et il a posé sa tête sur mon épaule. Je me suis dit, ouais. De ces quatre matins, moi aussi je vais descendre au Jourdain. Et la vieille 270 que j'avais l'habitude est suspendue au mur. Le fusil. Je l'ai plus. Depuis longtemps. Pour le dernier automne. Ce petit cheval de sel que je chevauchais. Je l'attacherai à mon chat en ce matin-là. Quand je descendrai à la rivière, il se tiendra simplement là-bas sur l'autre rive du fleuve. Je l'enverrai, je l'ai vu l'autre soir. Il sera attaché à mon chat l'un de ces quatre matins. Je serai parti montant à travers les nuées. Oh, cette puissance de Dieu dont je vais jouir pendant que je marche dans ces rues pavées d'or. Oui, la vieille carabine de chasse qui est maintenant suspendue au mur ne servira plus à rien. Je me demande si mon cher est en route. Si mon petit cheval de celle que j'avais vue dans une vision sera attaché à mon chat en ce matin-là, se tenant au fleuve. J'espère qu'il le sera. Je veux être enlevé. Je veux que l'église aussi monte comme ça. Comment l'église, comment je monte? Alléluia. C'est en traversant le Jourdain. Et qu'est-ce que le Jourdain? C'est la mort. Et il dit, je veux être enlevé. Je veux que l'église aussi monte comme ça. Pas autrement. Oh, je vais écouter la main. Je le veux pour chacun de vous. C'est là de la mort. Et que quelqu'un m'attendra. Je veux que l'église aussi soit levée comme ça. Et je veux que chacun de vous s'assoie ainsi. Il n'a pas dit nous allons monter en groupe. Mais il veut que l'église monte comme lui. Est-ce que c'est lui Élie du 7e heure qui sera enlevé sans passer par que Dieu vous bénisse. Et pourtant, il y a le Jourdain qui l'attend. Nous n'avons pas compris Brana. Mais il y a que l'épouse qui le comprend. Car il est écrit, l'enlèvement est une la vraie église vive. Épouse attendra à cause de là la révélation. Et quoi? N'attendra pas l'enlèvement. À cause de la lumière de terre.
Dans les gens qui attendent l'enlèvement, ils ne sont pas dans le message de Branham. Parce que Branham a dit l'église virgule épouse véritable attendra la révélation de l'ange. Si la révélation ne peut être donnée que par un prophète, et si le prophète est parti, c'est que la révélation de l'enlèvement a été déjà donnée. Et s'il a été donné, c'est que l'enlèvement a eu lieu. Amen. Amen. Parce que Dieu ne fait rien sans un prophète. La parole vient au prophète. Amen. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Écoutez mes frères. Il continue. A Kobi. Un témoignage au maire. Des chants 62. Il dit. Donc, il continue. Je continue la même brochure. Que qualité, voulez-vous être sûr au moment où vous descendez au Jourdain? Voulez-vous abandonner ce système impie de ce monde? Et recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur? Un témoignage en mer. Pression 62. 15. Il n'y a pas longtemps, beaucoup parmi vous ont lu dans les magazines au sujet de la petite translation que le Seigneur m'a donné. Pas la translation. Je ne dirai pas cela comme ça. Cela achoppe les gens. Je ne peux pas appeler ça translation. Parce que ça va achopper. Mais j'appelle ça vision. Mais pourtant c'est une heure. Que Dieu vous bénisse. J'étais là au lit. Et j'ai vu mon corps. J'étais mort par une heure. Et j'ai vu mon corps raide, mort sur le lit. Et ça ne faisait même pas 6 mètres de là où j'étais. Mais mon corps était mort. Raide. Oh, peut-être par la crise, quoi. Et là, c'était un viol. Et ici, j'étais jeune. Ce n'était pas le ciel et le loi. Parce qu'ils vont découvrir que quand ils vont au ciel, ils ne font que monter, monter, monter. À des milliards d'années. Sauf qu'ils sont seulement ici sur terre. Mais dans une autre, le ciel n'est qu'ici. Mais dans une dimension supérieure. Voilà pourquoi Branham, quand il prêchait, il pouvait dire que je vois le frère en tête qui est en train de marcher dans la salle. Mais le frère là était déjà parti. Il pouvait le voir dans la salle. Parce que l'ouverture du 7e jour, tout ce qui était mort avant, je vais venir de la salle pour écouter le 7e jour. Parce que c'était ça la révélation. Parce que le 7e jour, les chassés de la 6e dimension, les enlevés de la 6e dimension, pour entrer directement pour le 7e jour. Comme Jésus était mort à la croix, il était parti brisé. Le paradis. Et quand il est sorti de là, le paradis fut quoi? Supprimé. À l'ouverture du 7e jour, la 6e dimension est quoi? Il n'y a plus de repos. Un autre droit au présent de Dieu. Parce que c'est le 7e jour. Il mettait frein pour que l'homme n'arrive pas au présent de Dieu.
Dieu. C'est le sang de Jésus. Il y avait fait que les gens quittent quoi? La sixième heure, c'est encore le paradis. On le sent aujourd'hui. C'est le Messie de l'homme. C'est le septième jour. Est-ce que je peux continuer? Écoutez mes frères. J'appelle ça une translation. Mais pour ne pas choper les gens, j'appelle ça la vision. La translation, c'est que le corps reste. Il était là au lit. Il voyait ma main d'à côté de son corps. Et ce corps-là était raide. Peut-être qu'il avait eu une crise. Est-ce que la translation n'a pas vu le corps? Si on a vu le corps là, et peut-être que si ce n'était pas une expérience, les gens allaient commencer à pleurer. Alors que lui-même, il était déjà avec les bien-aimés. Nous avons une autre qui nous souvent quand nous avons peur et nous mourons et que les gens viennent pleurer, en réalité c'est juste la nostalgie. Pour ceux qui ont cru le message, c'est juste la nostalgie avec un frère. C'est comme le jour là, le frère Pater nous voyageait pour le Brésil. Et la maman a commencé à pleurer. Maman a dit qu'on est là. Oh, je vais écouter la maman. Lui-même a commencé à pleurer. Maman a dit qu'on est là. Il était mort. Non, c'est juste la séparation. La nostalgie qui nous fait pleurer. Mais sinon, nous ne sommes pas morts. Nous avons seulement voyagé. Nous avons quitté la terre pour le pays que nous avons servi. Voilà pourquoi servir Dieu avec joie, vous préparez votre place là. Si vous êtes encore dans l'adultère, dans le vol, et quand l'avion vienne, quand le jour vienne, tu resteras. Voilà pourquoi il faut être prêt chaque jour. Est-ce que frère, on peut continuer? Je voudrais que dire j'ai vu ce lieu-là. J'ai été là. Je devais savoir ce que sont des visions. J'en ai eu depuis que j'étais un petit garçon. Je demande à n'importe qui de me montrer une seule qui a été fausse. Cela ne peut pas être faux et être Dieu. Dieu ne peut pas être en erreur. Voyez, ce n'est pas moi. Moi, je suis tout le temps en erreur. Mais lui n'est pas en erreur. Et ainsi, quand il y parle, c'est vrai. La Bible dit que deux seront dans un même lit. La Bible dit que pas deux seront dans un même lit. Mais la Bible dit de deux qui seront dans un même lit. De deux qui seront dans un même lit. Ça veut dire que un, il y a deux. Voilà pourquoi Branham vient expliquer. Comme vous avez le Saint-Esprit, vous êtes deux personnes. Un pour mourir et l'autre pour vivre. Dans la chair, vous êtes toujours sujet à la mort. Mais dans l'esprit, vous êtes sujet à la vie. Voilà pourquoi l'ouverture des cieux. N'ayez plus peur de la mort. Nous avons peur seulement à cause de la nostalgie. Parce que l'homme n'a pas été fait pour se séparer. C'est le péché qui a amené la séparation. Permettez que je puisse prêcher. Est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je vous donne? Amen. Écoutez l'état présent de mon ministère. Et copains, ben, le vision 72-19. Vous appelez de la vision la petite translation comme je l'appelais. Que j'ai eu récemment, j'ai été transporté.
Et j'ai vu ces gens. Dans mon libato, là. Et je regardais derrière. Dans un côté, là, cima. Et je me voyais moi-même. Dans un côté, moi, là, 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 là. Tous les millions là-bas. Bah, qui a ce là-bas, tout le monde? Et j'ai dit, je veux voir Jésus. Peu, bah, le but, là, 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 yes. Il a été dit. Et le bama, qui? Il est plus haut. Y'a ça, là, moi, l'icolo. Que Dieu vous bénisse. Zambia, Pablo, la vino. Que Dieu vous bénisse. Zambia, Pablo, la vino. La translation. Bon, voilà. N'est pas ce que les gens pensent. Clac! Et ça, là, bah, dans un moment, là, tu es un peu bête à pas. Non, ça, c'est. La translation de l'homme. Mais la translation de Malachi 4, c'est que ce corps doit rester. On doit le pleurer. Mais l'autre s'en va dans l'éternité. Est-ce que vous dites amen? Écoutez, je reviens à cette vieille citation. Beaucoup de pasteurs vont tomber là. L'influence pression 63. 48. Je connais un homme dans le monde aujourd'hui. Je connais un homme où? Dans le monde. Dans le monde d'hier. Donc dans le monde aujourd'hui, même à Brazzaville. Un homme bien, également un homme bon, il n'est pas faux, il est bien et il est bon. Que Dieu vous bénisse. Comme Jésus le disait, mon ami. Amen. Il a dit, comment fais-je pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, yes, mon ami, tu connais les 10, tu connais quoi? Les 10 commandements. Et il a dit, je les ai vécu. Je les ai vécu depuis mon enfance. Et il n'a pas appelé cet homme-là truand. Il a appelé mon. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et ici, il dit, Alibi, je connais un homme qui peut dire amen. Il dit, Alibi, je connais un homme dans le monde aujourd'hui. Un homme bien. Également un homme bon. Un vrai prédicateur. Un vrai. Il est dans un tabernacle. Oh, je vais écouter la main. Il est pasteur dans un tabernacle. Un vrai prédicateur de la parole. Il n'a pas dit un vrai prédicateur de pentecôtiste. Un vrai prédicateur de quoi? Oh, la parole aujourd'hui, c'est la parole de Malachi. Et je dirais un vrai frère. Il n'est même pas faux. C'est un vrai frère. Mais je lui ai parlé. Il n'y a pas longtemps. Il continuait à éprouver des sensations. Et il a fondé tout son ministère sur des sensations. Alléluia. Voyez comment les prédicateurs prêchent aujourd'hui. Ils croient que l'onction s'est sautée. Ils croient que l'onction aujourd'hui c'est prêcher que l'église soit en mouvement. Ça, c'est des sensationnistes. Amen. Il continue à éprouver des sensations. Et il a fondé tout son ministère sous des sensations. C'est ça le prédicateur spectaculaire aujourd'hui. Quand il prêche, il veut que tout le monde soit debout. Est-ce que debout veut dire prêcher? Les pentecôtistes le font. Les gens sont devenus sensationnistes. Ça, c'est des sensations. Oh, je vais écouter la parole. Amen. Amen. Il continue à éprouver des sensations. Il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il y baptise pour la vie éternelle. Disons que les gens ne vont pas mourir. Je crains qu'il ne se trouve dans une situation si délicate.
qui n'en reviendront pas. Voyez que les gens qui disent que les gens ne vont pas mourir, ils se trouvent dans une situation délicate. Il leur est difficile de revenir. Voyez, parce que c'est faux. Parce que c'est quoi? Faut quoi? Je vous pose la question. Je vous écoute. Vous avez dit amen. Maintenant, faux par rapport à quoi? On dit les prêches que les gens ne vont pas mourir. Ils se trouvent dans une situation délicate. Et je sais que parce que c'est faux. Et pourtant, c'est un bon prédicateur. Il y a un bon frère. Mais son enseignement est faux. Ne pas être un bon pasteur, pas un bon prédicateur, pas un bon frère. Mais il faut être sûr de ce que vous croyez. Soyez sûr de ce que vous prêchez. Sinon, vous serez dans le faux. Est-ce que je peux continuer? Il continue. L'homme naît de la femme. Sa vie est courte. Son cesse agité. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Et le vivant sait qu'il doit. Je vais vous écouter. Amen. Le vivant sait qu'il doit. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi le jugement? Vient le jugement. Donc nous savons qu'il nous faut mourir. Mais lui ne le savait pas. Et beaucoup de prédicateurs ne le savaient pas. Je ne voudrais pas vivre dans cette maison de pestiférés. Que j'habite. Ça attrape chaque maladie qui passe. Bientôt la saison sèche, la grippe va passer. C'est un aimant de toutes les maladies. C'est un aimant de tout le mal. Amen. Qui passe? J'aimerais en avoir une qui n'est pas faite de main. Qui est conçu par Dieu. Qui n'est pas une plante hybride. Comme celle ici. J'aimerais en avoir une qui a été faite de main de Dieu. Celle qui est faite par les mains de Dieu. La main de Dieu dans chaque génération, c'est un prophète. La main droite de Dieu. Jésus était assis à la main. Dieu n'a pas de main droite et de main gauche. C'est la main droite de Dieu. C'est la puissance de l'autorité de Dieu. Et à cet âge ici, la puissance et l'autorité de Dieu, c'est Malachie 4. Et Malachie 4 est venu faire un corps qui n'a pas été fait par des mains qui a été fait par la parole. Alors que nous prêchons la parole, il y a un homme à votre image qui est en train de se faire. Amen. Je vais écouter la main. Il continue dit, il n'est pas une plante hybride. Comme celle-ci. Je demeurerai en avoir qui a été faite de main de Dieu. Que ni les maladies, ni les afflictions, ni la mort ne touche. Quand il m'appellera, je serai prêt par la grâce de Dieu. Voyons que si cette tente nous habite, sur terre détruite, nous avons déjà un édifice. Nous y entrerons, nous ne pourrons plus mourir là-dedans. Amen. Comment voudriez-vous vivre dans celle-ci? Pas moi.
Oh là là. Nous en sortirons. Je suis content. Et ce vieux piège. C'est un piège. Le germe humain. Que nous habitons. Ce piège mortel. Que je sais encore. On a gémi en longue de vieillesse. Eh bien, voyez, j'ai laissé ma Babylone pour que vous compreniez que je suis en train de partir. Aujourd'hui, je vous ai laissé ça. Connaître que chacun de vous, quand il commence à voir les cheveux blancs, il est en train de partir. Vous ne savez pas que moi j'avais la barbe. Mais je l'ai laissé que vous savez que tu sois jeune, que tu sois vieux, il y a une porte qui t'attend. Et que chaque minute, tu dois te préparer. Ce n'est pas parce que moi des cheveux blancs ou la barbe blanche, j'irai avant toi. Tout dépend de Dieu. Amen. Il dit, Alobi, quand il m'appellera, je serai prêt pour la grâce de Dieu. Comment voudrez-vous vivre dans celle-ci? Pas moi, oh là là. Nous en sortirons. Je suis content. Et ce vieux piège, le cher humain. Qui voudrait rester dans un tel corps? Moi, je suis content. Ce qu'il y a. Un qui vient. Nous avons un corps qui nous est préparé dans la gloire. Et aussitôt que la vie quitte cette vieille coquille, il partira pour entrer dans ce tabernacle. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça va aller où? Je suis très content. Parce qu'il existe un Dieu qui a rendu tout cela clair. Je suis content. Très content. Parce qu'il existe un Dieu qui a rendu tout cela clair. Trois enfants. Oh là là. Là, cela montre que la mort est dans ce corps-là. Combien il est en forme et beau. Il porte néanmoins la mort. Vivons la parole, frère. Quand vous prenez le temps de ne pas servir Dieu, ça sera malheur pour vous. Parce que tout cela va rester. Alléluia. L'argent que vous ne voulez pas servir Dieu, ça restera. Où est-ce que sera ton âme? Est-ce qu'on peut continuer? Pour la dîme, tu préfères ce que tu mondes, tu privilèges. Les offrandes, mes frères, ça restera. Amen. Je resterai. Observez ces êtres humains. Le premier mortel a sorti du jardin d'Éden. Adam et Ève ont engendré deux enfants. L'Ocham, ou plutôt, excusez-moi, l'un était Caïn. Et l'autre Abel. Je peux voir toutes ces grandes éternités. La face baissée.
la face baissée. Lorsque le moment venu, il fut renvoyé du jardin d'Eden, chassé pour qu'il se débrouille seul. Il y avait deux garçons, les deux venaient de la même mère. Du même tabernacle. Du même père. Du même pasteur. Et du même prophète. Et quand ils disaient, tous deux voulaient trouver grâce devant Dieu. Et bien, je crois que l'ange gardait l'arbre de vie. Et cet arbre de vie était Christ. L'arbre de la mort était la femme. Amen. 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 Voilà pourquoi les femmes sont toujours compliquées. Elle peut passer toute la journée dans le WhatsApp. Toute la journée en train de parler. C'est la mort. Amen. Je m'en fous, je prêche la parole. L'âme de la mort était la femme. À travers la naissance par la femme, nous mourons tous. À travers la naissance par Christ, nous vivons tous. Donc la vraie naissance, c'est la nouvelle naissance. Et cette naissance se fait par la parole parlée. Mais cette naissance par la femme, c'est la mort. Et c'est le rendez-vous de toute la terre. Même si Jésus qui est descendu du ciel, naître à travers une femme, il est mort. Il est mort. Adam qui était créé, quand il a péché, à cause de la femme, il est mort. Branham qui a reçu le septième ciel, quand sa maman s'appelait Ella Branham, il est mort. Qui es-tu, monsieur? Nous appelons ça la gerbe, c'est-à-dire l'exemple de tout. Amen. C'est aussi simple que ça. Eh bien, j'ai mon opinion de ce que fut le péché, ce que fut le premier péché. On peut continuer. Je ne vois pas. Comment on fait? Il est quelle heure? Ah, ah, moins de 19h. Bien. Malamou. Caïn et Abel étaient d'une même heure. Caïn et Abel, ma bonne maman, d'une même heure. Le même prophète. Avec l'église du Dieu vivant. Mais chacun avait son père représentant. Ce qui les a différenciés, c'est que l'un avait la révélation. En enlèvement est une. Oh, Caïn, il a pris ça d'une manière charnelle. Nous allons sauter. Il n'a pas compris ce que Dieu voulait. Oh, le problème de Dieu, c'est que l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Sans révélation, tu n'es qu'un Caïn. Parce que Caïn était un croyant. Est-ce que je peux continuer? Amen. La différence était que Abel avait quoi? Abel avait quoi? Et vous remarquez, la haine est partie d'où? Est-ce que c'est parti d'Abel ou de Caïn? Mais lesquels qui nous traitent de fausse doctrine? Est-ce que nous sommes contre eux? Pourquoi vous êtes contre eux? Celui qui est dans le vrai supporte celui qui est dans le vrai. Caïn, pourquoi tu ne supportes pas ton frère? Quand Dieu bénit quelqu'un, sois le vrai de sa mère. Quand Dieu puisse te bénir. Est-ce que je peux continuer? Toutefois, lorsque l'ange a commencé à dégainer son épée, m'envoyant pour garder cet état de vie, maintenant, suivez, Caïn et Abel sont tous deux venus pour trouver grâce devant Dieu. Amen. Maintenant, écoutez, Caïn est loin d'être un communiste. Non.
Il était loin d'être un communiste, un homme de la politique. Il n'était pas non plus un athée. Kaya était un croyant. Mettez vos gilets par choc. Maintenant, Kaya était un croyant. Nous croyons tous le message de qui? Est-ce que tout le monde est Abel? Abel il connaissait. C'est une écriture qui était mystérieuse. Et maintenant, pour révéler une écriture, il faut le prophète. Si le prophète n'est plus, qui va le révéler? Amen. 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 Est-ce qu'on peut continuer? Amen. 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 Combat ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. 36. Il dit, maintenant suivez, Kaya était tout aussi religieux. Tout aussi gentiment. Qu'Abel. À tout point de vue. Tabernacle de ceci, frère Branham me dit, c'est-à-dire à tout point. Eh bien, ce n'était pas de bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Mais par miséricorde. Alors, tous deux, ils sont allés adorer devant Dieu. Je crois que c'était à l'est de la pampe. Et je crois qu'ils sont directement passés devant sa présence. Là où cette peuple rambaillait, tournoyait à l'est de la pampe comme ça. Gardons l'arbre de la vie. Regardez ça. J'espère que vous saisissez cela. Aussi certain qu'un homme n'est une femme doit mourir, et tout aussi sûr que s'il est né de Christ, il doit vivre. Il doit vivre. Il n'y peut rien. Il a la vie éternelle. Christ a dit qu'il en croit. Voyons un adorateur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Certains noms seront effacés du livre de vie de là. Tous les noms sont écrits dans le livre de vie. Mais certains noms ne seront pas dans le livre de vie de parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Moins de quoi? D'autres sont venus. D'autres sont devenus prédicateurs par leur propre volonté. D'autres sont devenus prédicateurs par les hommes. Il y en a d'autres qui sont des quoi? Le problème aujourd'hui, il faut être dans une église où le prédicateur a été appelé avant la fondation. Pas celui qui a vu les autres parce qu'ils ont des voitures. Non, si il veut se faire quoi? Oh, je vais écouter la ou encore celui-là, on dit que tu as la connaissance. Tu peux prêcher. Et il va prêcher. Il cabote. Est-ce que frère vous dit amen? Écoutez. Il dit ceci. Bien. La cruauté du péché et les peines de, que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. 13. 153. Je ne me souviens pas de la dame. 14. Cela montre simplement le caractère funeste de cette vie mortelle. N'est-ce pas? Si elle était en Jésus-Christ, elle est bien mieux ce soir que quiconque est assis dans ce bâtiment. Donc, il parle d'une jeune femme. Je vais lire tout. Je ne me souviens pas de la dame.
Ou est. Beaucoup d'entre vous ont lu cela dans le journal. Je pose ce soir. Une soeur dit, frère Bill, c'était Edna Justice. Elle venait souvent ici. Edna Justice. Il se peut que vous la connaissez. C'est peut-être une jeune femme. Est-ce vrai? Est-ce juste? Sœur, 22 ans, oui. Elle n'avait pas la barbe blanche. Qui pense que c'est seulement ceux les vieillards qui vont partir. Une jeune femme, je crois, sa mère a téléphoné. Et a dit qu'elle laisse deux ou trois enfants. C'est vraiment très malheureux. Cela montre simplement le caractère funeste de cette vie mortelle. N'est-ce pas? Si elle était en Jésus-Christ, elle est bien mieux ce soir que quiconque est assis dans ce bâtiment. Elle a simplement traversé la vallée de l'homme de la mort que tous les menteurs doivent y traverser. Et un jour, vous, Bino, moi, Ngaï, nous devons aussi passer par ce chemin. Mais nous ne devons pas traverser le Jourdain tout seul. Est-ce que je peux continuer? Un plus grand témoignage. Les gens 53. 26. L'église a grandi. Elle a évolué. Elle est passée de la justification à la sanctification. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, elle est arrivée à la restauration des dons. Elle bourgeonne. Et nous voici prêts maintenant pour la moisson. Un jour, Dieu viendra. Et nous le verrons et nous l'aimerons. En ce jour-là, quand la vie sera complètement terminé. Dès que j'aurai prêché mon dernier serment, que j'aurai prié pour mon dernier malade, que la Bible sera fermée, et que je saurai que mon heure est venue, je sais que devant moi, comme pour tout mortel ici ce soir, il y a une énorme porte noire qui se tient là-bas. Et chaque fois que ce cœur bat, vous a rapproché d'un pas. Ça s'appelle la mort. Ça s'appelle quoi? Chaque fois que votre cœur bat, c'est un battement de moins pour toujours. Et nous nous dirigeons là. Je ne sais pas quand il va s'arrêter. Quand j'entrerai là-bas, je ne voudrais pas aller comme un lâche. Je désire m'envelopper de la justice comme j'entrerai dans ce canal de la mort. En sachant ceci, que je suis persuadé que je le connais de la puissance de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse. Dieu connaît le nombre de fois que ton cœur va battre. Amen. Et mon cœur et ton cœur ne va pas battre pareil. Peut-être chez toi, ça va s'arrêter avant. Devant Dieu, ça va s'arrêter avant. Pour moi, c'est devant Dieu, ça va s'arrêter. On peut t'amener à l'hôpital. On pourra te mettre dans la réanimation. Ça sera la machine. Quand tu as déjà arrêté, ça a arrêté. Alors qu'il y bat encore, frère. Servant Dieu. Ça l'est l'enjambe. Est-ce que vous dites
Amen. Vous prenez votre temps pour la chair. Ce n'est pas mon frère. Mais cette chair est hypocrite. Cette chair, c'est un ingrat. Quel que soit ce que vous pouvez faire, vous le lavez aujourd'hui, demain il va tomber sale. Vous le faites aujourd'hui, le lavez. Vous posez les dents, demain ça sera sale. Il est ingrat. Et souvenez-vous de mes véritables fous. Ils sont été brisés. L'enlèvement n'est plus ce qu'on prêchait. Amen. 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 Par la soeur Rocher. Le bon à la Libanga. Oui. Mwambi. Je regarde ici et je vois ici un homme âgé et sa femme. Peut-être le mari et sa femme. Ils sont grisonnants. Mais il y a quelques années, ils étaient probablement un beau jeune homme et une jeune fille. Ils se sont avancés à l'hôtel, ils se sont mariés. Tous les deux portaient des cheveux noirs. Ils étaient beaux, robustes, jeunes et en bonne santé. Ils étaient des bébés. Ils ont grandi jusqu'à cet âge. Vers 22 ans, 23 ans, ils étaient en leur meilleure forme. Un matin, ils ont commencé à remarquer, alors que la mère dressait sa table avec les assiettes, pour les petits déjeuners, qu'il y avait des petits rides qui commençaient à apparaître. Sous ses yeux et sous ceux de papa, les cheveux commencent à grisonner. Papa commence à se foutre un peu. Qu'est-ce qui se passe? La mort s'installe. Elle doit vous avoir. Elle peut vous coincer à beaucoup d'endroits. Vous en tirerez. Mais elle finira par vaincre. Elle va vous emporter. Oh, qui peut dire amen? Tu peux sortir ici. La mort t'a manqué. Par un palu. Par un accident. Par un poison. Il est en train de te suivre. Mais si tu as Christ en soi, la mort ne pourra pas te tuer. Qu'est-ce que la mort va faire? Elle te prend pour t'amener au monde de Dieu. Parce que le septième sceau a été brisé. Est-ce que la moisson vous écoutez? L'enlèvement n'est pas ce que les gens pensent. Je vais terminer. Il est quelle heure là? 19h-10. Prochainement, mettez ça là, je peux voir. Botiaka, le long de Fayou, on a quoi comment? Tu ne connais rien. Et toi là où est ton pasteur qui t'a exhorté? Vous êtes des boucotoufs. Vous êtes des boucotoufs. Amen. Jérus est la guérison. Jérus est pénal au bico. 37. Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur. Disons, un de ces jours, vous serez ceci. Vous l'êtes maintenant. Un de ces jours, vous serez enlevé. Un de ces jours, Jésus va venir. Toujours le futur. Il dit que vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes fils et filles de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toute la puissance au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Vous voyez,
maintenant nous avons cela. Ça, ça pas de le Mélenchon. Nous n'aurons pas besoin ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes maintenant même. Nous sommes les filles de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que nous serons semblables à lui. Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes. Ailleurs, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Est-ce vrai? Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons encore glorifié. C'est profond. N'est-ce pas? Bon, eh bien, nous allons voir si ce n'est pas vrai ou pas. Donc, si cet idole nous habite, ce qui est mort, voilà, si la terre est détruite, et nous avons déjà eu Est-ce vrai? C'est vrai. Et si maintenant même, ce que nous sommes là, c'est le reflet. Ici, ce que nous sommes, ici, c'est un reflet de ce que nous sommes. Quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Tu connais déjà que ce qui n'a qu'un erreur, encore c'est à Kanzambe. Oyibi à Kanzambe. Estoi à Kanzambe. Oya tant qu'on fout Kanzambe. Dieu ne peut pas être en toi et tu ne payes pas de la vie. Comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Vous serez là où, attend votre corps. Et vous n'allez pas là pour votre autre corps. D'autres noms aussi sous. Écoutez. Boyoka. Éphésiens est comparable, le livre d'Éphésiens compare ce beaucoup d'abeilles fait ça, c'est qu'on y a la honte à ce jour. Mais maintenant je sais que ce n'est pas ça. Ça, c'est planète et c'est un mot. Car il est écrit dans les Écritures. Et comment est-ce que tu as ce que je dis ne va pas donc à l'encontre. Oh, les gens qui ont le en effet, si cette idole où nous habitons, c'est détruite, nous en avons une qui nous attend. Un autre tabernacle qui a des yeux, des oreilles, des lèvres, des facultés mentales. Si cette tente nous habitons sur la terre est détruite, c'est un corps dans lequel on peut toucher. On peut voir. Mais qui va le détruire? Qui va le détruire? Non, qui va détruire ce corps? Pour entrer dans ce tabernacle. Les gens n'ont pas compris la mort. La mort a été vaincue. Voilà pourquoi nous serons enlevés vivants. Le vivant, c'est celui qui est en vous. Mais celui-là est déjà mort. À la minute que tu meurs, à la minute tu rentres à la gloire. Oh, je ne sais pas dire amen. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi n'ayez pas la conception de la mort comme les dénominations. N'ayez pas la conception de l'enlèvement comme les dénominations. Que la Russie se prépare. La Russie mirengue. Que l'Amérique se prépare. L'Amérique mirengue. William Branham dit une mort subite est une gloire subite. Mon fils, s'il ne croit pas, il reste. Dieu ne va pas te garder à cause de moi, nana, incrédule. Et t'as lié? Si c'est un enfant qui ne connaît pas le bien et le mal, tous les enfants sont sauvés. Excepté aucun. Tous ceux qui ne connaissent pas le bien et le mal, William Branham dit qu'ils seront sauvés. C'est vrai. Amen. Amen. Je vais terminer. À qui irons-nous, Seigneur? Et pas une année de l'eau. Allez et achetez un produit pharmaceutique. Qui vous changera d'un vieil homme
Vous perdez votre temps de vous maquiller. Ça devrait arriver à changer. Tu seras pris dans l'intérieur. Mais les tissus vont toujours vieillir. Je préfère être sombre. Mais que mon cœur soit clair. Vous perdez votre temps à chercher à vous rajeunir. Ce n'est fini. Ça, c'est un vieux veston. Mais un jour que vous allez lâcher, allez acheter un produit. Pour une vieille femme en une jeune femme. Mais si vous pouvez en acheter un, vous n'en trouverez jamais. Cela n'existe jamais. Dans le domaine médical, cela n'existe jamais. Dans n'importe quel domaine, en dehors de Jésus-Christ. Mais voici ce qu'il a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, je l'enlèverai et je ferai entrer dans la gloire. Si ce corps terrestre est détruit, cette identité terrestre est détruite, nous avons une autre qui nous attend. L'enlèvement, changement de maison, aller dans un lieu autre. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que la moisson, vous êtes avec vous? Ne soyez pas comme les églises qui croient à rien. Il y a même certains qui étaient avec nous ici qui commencent à dire quoi? Non, ne crois pas la seconde venue. Tu n'avais jamais cru. Tu es un païen qui avait seulement changé de forme. Et des gens comme ça, là, ils viennent apprendre les païens qui se cachent au nom du message ici. Si tu es un païen caché ici, le diable enverra un autre païen pour te sortir de l'église. Est-ce que frère, vous dites amen? La profondeur appelle quoi? Bozindo. Le sang confus. 17. Tout, le lac à c'est alors que cette écriture a été vivifiée. Si cette tente où nous habitons sur cette terre détruite, ceux qui aiment tous les hommes en ce nous avons déjà. Il qui nous attend. Oh. On sort simplement d'ici et entre directement dans cette eau. Là-haut, je vous assure, cela nous fait beaucoup espérer. Peu importe ce que le monde pense et combien le monde est en insécurité, quand il nous arrive de penser à cette chose, tout peut disparaître. Ainsi donc, nous sommes devenus des concitoyens du royaume. Et nous respectons à ceux qui ne sont pas concitoyens. Nous aimerons les attirer au point où ils peuvent. Personne ne devait jamais rater cette place. Je suis un homme d'âge moyen. J'ai 52 ans. J'ai une femme et un enfant. Ils sont assis sur ce soir. Un jeune homme. Mon fils ici. Deux filles à la maison. Et nous était la prédication de l'évangile. Et la charge d'élever les enfants, de veiller à ce qu'ils grandissent bien. Et l'amour pour l'évangile. Je n'aurai pas du tout peur de partir maintenant, même ici, même devant vous. Alléluia! C'est un lieu glorieux. Je suis, ça me débarrasse de tout peur. Je n'éprouve plus
la peur que j'éprouvais autrefois pour la mort. J'en suis reconnaissant. Est-ce que les gens qui n'ont pas, qui disent qu'ils ne vont pas mourir, ils n'ont pas peur? Ils ont peur. Nous n'allons pas mourir, frère. Vous allez beaucoup couffa. C'est la peur. La peur, c'est un fléau. William Branham dit, quand Dieu envoie un message, avec un message, et quand il le prêche, et quand il a fini, il enlève le messager, et ceux qui l'ont cru, et il fait tomber un fléau. Et si les gens ont peur de la mort, c'est qu'ils sont sur un fléau de la peur. C'est que Dieu a déjà enlevé le messager et ceux qui ont cru son message. Maintenant, le fléau tombe. La peur. Voilà pourquoi c'est ça ce qui pousse nos sœurs. Moins des histoires, ils vont voir les femmes qui parlent makambo. Je suis allé consulter si moi je si Dieu permet que je parte d'ici par un sorcier, je m'en fous. Ça va m'aider à rentrer au ciel. Et si le temps n'est pas venu, rien m'arrivera. Vous derrière les mamans Bikoudi. C'est que vous vivez sur la fleur de la peur. Vous n'avez pas été enlevé par, avec le messager. Quand il est monté vers la pierre de fer, derrière lui, il y avait les poudres de toutes les nations. Le 28 février, avec le canal de montagne, il croisait le Seigneur. Moi aussi, j'ai monté avec lui. Voilà pourquoi je n'ai plus peur. La peur n'est plus de vous. Les gens ont eu peur de construire ici. Nous avons dit que nous avons un Dieu vivant. Qui fait la même? L'impossible n'existe pas dans celui qui a fait ça. Tout est possible à celui qui a fait ça. Voilà pourquoi ce soir, soyez sûrs. Bon an de la de vous prendre tout le monde qui ne l'a pas fait. Moi aussi je dis la même chose. Et que vous êtes là, je dois encore prêcher le monde. Je serai content de partir devant vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que frère, vous comprenez? Vous avez compris que le proverbe de Caïn, c'est toujours tuer qui? Et t'as le cas à cause de quoi? À cause de quoi? Tous ils étaient au jardin de Dieu ou pas? Ils étaient dans Eve tabernacle. Avec le prophète Adam. Est-ce qu'Adam était restauré notre temps? Tous les gens qui citent Branham, c'est l'église de Branham. Mais tous ceux qui le citent, ils ne sont pas dans l'église de Branham. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous. Voilà pourquoi l'ouverture de son, la symphonie change. Branham dit que quand vous dansez, et qu'il y a quelqu'un qui joue la musique, vous devez entrer dans la symphonie de la musique. Quand il joue doucement, vous devez aussi danser quoi? Mais quand la cadence se change, si vous continuez à danser doucement, vous serez en gamme. Quand il est doucement, quand il danse vite, vous êtes en gamme. Beaucoup des églises sont en gamme. Est-ce que la symphonie a changé? Merci de cette chose.
écoute ma voix quand aux autres tu répondras, Seigneur, ne m'oublie pas, viens à mon secours, sauveur, oh, oui, Dieu de Branham, écoute ma voix quand les autres tu appelles, ne m'oublie, oui, tu es le secours, sauveur, oh, sauveur, il ne manque jamais, écoute ma voix, oh, quand les autres tu appelles, oh, ne m'oublie pas, Seigneur, laisse-moi près de ton trône. Et suis trouver du repos. Oui, à genoux dans la contrition. Oh, de tout.